Hey, salut tout le monde, c'est Daikiri, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouveau gameplay. Donc un gameplay qui va se passer sur Call of Duty Black Ops en mode domination sur la map Hanoï. Alors dans cette partie les gars, vous allez voir que je vais jouer aux pompes, au space doux silencieux. Et vous allez voir les gars que je vais lâcher une grosse série, un 31 gun streak pour être précis aux pompes. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Alors la série n'est pas totalement aux pompes. Donc j'ai fait au moins une dizaine de kills à l'arme vu que Hanoï est une map très grande. Donc une semi-nucléaire aux pompes. On va dire ça comme ça, ou nucléaire hybride, appelez ça comme vous voulez. Donc aujourd'hui les gars, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'a un peu, c'est-à-dire qui m'a un peu surpris. Le fait de demander des dons, c'est surtout les streamers qui font ça, mais bientôt ça va être instauré sur YouTube, de demander des dons en bas de nos vidéos. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, on pouvait déjà faire ça grâce à l'intermédiaire de certains sites comme Tipeee ou Kickstarter, mais voilà, ça va être directement instauré. Et justement, je me demandais si c'était normal, enfin si vous trouvez ça normal, justement ce système de dons, c'est-à-dire de donner des dons aux personnes qui font des streams ou des vidéos. Je vais prendre l'exemple de Twitch qui a instauré ce système directement, c'est-à-dire que c'est vraiment lui le premier à avoir instauré ce système de dons. Et il y a beaucoup de streamers de Twitch qui, voilà, qui, je veux dire, là-bas, les dons se font très facilement. J'ai vu des gens lâcher des 10 euros, des 10 dollars, des trucs comme ça, tu vois, directement. Justement, donc, est-ce que vous trouvez ça normal de la part de ces fameux streamers de, entre guillemets, demander, c'est-à-dire, entre guillemets, mendier? Enfin, mendier, c'est un mot un peu vulgaire, mais entre guillemets, de demander ce genre de dons pour leurs vidéos. Alors j'ai pu échanger avec certains streamers, donc j'ai pu leur parler vite fait sur le chat. Ils m'avaient dit que... Donc ils m'ont dit justement que eux, ils trouvaient ça normal de demander des dons, c'est-à-dire que pour leur stream. Alors moi j'ai dit que j'étais pas tout à fait d'accord avec eux, c'est-à-dire que normalement on fait des vidéos ou des streams pour notre plaisir, c'est-à-dire que nous ça nous fait ça nous fait du c'est plutôt un loisir de faire des vidéos, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il y en a même certains qui m'ont dit qu'ils gagnaient leur vie grâce à ça. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà une communauté très jeune, c'est-à-dire que ceux qui regardent les vidéos sont majoritairement jeunes, tout simplement, donc ils sont très facilement influençables. Et est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas malsain de demander des dons par l'intermédiaire de ces streams? Mais d'un côté, quand le mec m'a dit qu'il gagnait sa vie grâce à ça, je me suis quand même posé des questions. Alors justement, si... Je vais justement envoyer cette vidéo à Code QG et à Code CF. Bon, déjà, merci à eux s'ils m'uploadent. Donc, déjà, s'ils m'uploadent, je vais être très, 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 très actif dans la zone des commentaires. Parce que c'est vraiment un débat dont j'ai envie d'avoir vos avis. Parce que moi, j'ai pas encore eu de. J'ai pas encore conclu. C'est-à-dire que j'ai pas encore une idée fixe dans ma tête de. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais? Alors, d'un côté, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, moi, je trouve d'un côté que c'est bien et que c'est mauvais. D'un côté, c'est bien parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent justement gagner leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont parfois, c'est-à-dire que les gens sont au chômage, qu'ils ont peut-être, on sait pas, peut-être le gars il est handicapé ou un truc comme ça, ou qu'il peut pas travailler. Donc il peut justement, c'est quelque chose de formidable de gagner de l'argent, de gagner sa vie grâce à ce genre de dons, grâce à ce genre de stream. Mais d'un côté, le genre de personnes qui donnent les dons à ces fameux streamers ou à ces vidéomakers, c'est-à-dire que aussi, ils travaillent pour avoir cet argent, c'est-à-dire qu'ils ont une vie, c'est-à-dire que bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme j'ai dit précédemment, la communauté est jeune, et est-ce que justement ces fameux, c'est-à-dire que les parents des viewers sont d'accord de donner de leur argent à ces fameux streamers, c'est plutôt comment dire, une mode chez les Américains de, voilà, bah vous pouvez aller voir sur les streams américains de donner des dons. J'avais vu justement sur les streams les plus populaires, des gens qui ont 80 000 viewers ou un truc comme ça. Ouais, je sais, c'est quand même beaucoup, hein. C'est quelque chose que j'aimerais bien avoir sur ma chaîne, mais bon. Mais voilà, qui se font des 4 000 dollars, des 6 000 dollars, des sommes incroyables par l'intermédiaire de ces dons. Bon, aussi, il y a beaucoup de personnes, si une personne donne 1 dollar à chaque fois, c'est quelque chose d'incroyable. Mais j'ai vu justement des gens, des streamers français, c'est-à-dire, je vais pas citer leur nom, mais qui se font des 200 balles par soir, des trucs comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et il y en avait même, pour justement, ça va illustrer bien ce que j'ai dit de certaines personnes qui jouent à la comédie. Alors, t'avais même un streamer américain, ce qui s'est passé avec lui. C'est que voilà, donc il jouait un peu les mesquins parce que le mec avait soi-disant fait un accident
dont il était handicapé, et d'après lui, il a terminé en chaise roulante. Et dans un de ses streams, une fois, donc voilà, donc en plus ça jouait les mesquins, les gens donnaient leurs dents plus facilement, c'est-à-dire que voilà, je veux dire, entre vous et moi, on est tous humains, c'est-à-dire que ça nous faisait un peu mal au cœur de le voir comme ça. Mais il y a une fois où le mec a décidé de se lever pour aller chercher à boire, donc le gars s'est levé, et hop, et du coup, il a eu plein de problèmes, et voilà, donc fermeture de son compte Twitch, etc., etc., donc voilà, donc les gens l'ont traité de tous les noms. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est qu'il y a des gens encore plus vicieux, c'est-à-dire qui profitent de ce genre de parce que de base c'est quelque chose de bien, on va être d'accord, et qui profitent de ce genre de système pour l'exploiter à fond. Alors, ce que je ça déjà c'est une mauvaise chose, mais aussi ce que je veux dire par là, c'est que quand même les gens balancent des quand même des fois des grosses sommes pour être mis en avant, c'est-à-dire que bon, ils peuvent apparaître quelques secondes sur le stream avec un petit message, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que j'ai vu des vidéomakers, des streamers qui mettent en avant que ceux qui donnent des dons. C'est-à-dire que les abonnés qui donnent pas de dons, ils sont mis, voilà, c'est-à-dire que c'est pas vraiment leur abonné. Puis ça, je trouve ça d'un côté un peu dégueulasse. C'est-à-dire que tu donnes des dons si t'en as envie. T'es toujours abonné, c'est-à-dire que si le mec n'a pas de thune et ou bien qu'il n'a pas envie de donner de dons par principe, tu vas pas le mettre à l'écart, tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'en plus, certains youtubeurs se foutent carrément de la gueule de ses abonnés, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pas quelque chose de normal. Je sais pas, ça me choque un peu, tu vois, de gagner de l'argent aussi facilement. Parce que, on va se mettre d'accord tout de suite, les gars. C'est que c'est plus facile de faire un stream sur Twitch. Bon, déjà, faut gagner sa communauté. Ça, ok, ça devient un peu plus compliqué. Mais quand t'as ta communauté, c'est plus compliqué de faire des streams sur Twitch. Enfin, c'est plus facile, excusez-moi. C'est plus facile de faire des streams sur Twitch et de se taper des 2 000 $ par soir que de se lever le matin, aller travailler 8 heures par jour pour gagner sa croûte, quoi, tout simplement. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, c'est comment dire, c'est qu'il y a des gens qui profitent, quoi. Il y a des profiteurs un peu partout, mais après, voilà, faites très attention. Je dis pas, moi, en tout cas, j'ai un principe, c'est que je donne pas de dons. J'aime bien regarder des streams ou des vidéos de certaines personnes qui demandent ces dons, mais je ne donne pas de dons parce qu'on m'oblige pas. Je veux dire, le youtubeur va pas m'obliger, enfin, le vidéomaker, excusez-moi, va pas m'obliger à lui donner des dons, même si je l'aime bien, tu vois. Mais c'est comment dire. Ça veut dire que j'ai encore le choix de faire ce que je veux, c'est-à-dire que voilà, même si le mec joue les mesquins, joue les gars qui a besoin de thunes, ou bien qui a pas envie de faire de vidéos, c'est que de base, vous avez commencé YouTube par passion, enfin la passion ça veut, voilà, en 2015 sur YouTube, la passion, voilà quoi, mais je veux dire par là, c'est qu'il a commencé les vidéos parce que ça le faisait kiffer, c'est pas par principe de gagner de l'argent, et dès que le mec a une très bonne communauté qui a moyen de gratter des sous, le mec se gêne pas, et ça je trouve ça dégueulasse. De sa part. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai pas encore voilà, j'ai pas encore eu d'idée, c'est-à-dire à ce sujet-là, mais j'attends vraiment vos réactions, j'attends vraiment comment dire, j'attends vraiment vos réactions, c'est-à-dire, et là je me fais tuer, voilà, un 31 gun streak. J'aurais pu faire plus, mais bon, niveau connexion, des fois sur Black Ops 1 ça bug. Mais voilà, donc j'attends vraiment vos réactions pour me faire une idée concrète, c'est-à-dire que je vais un peu voir toutes vos réponses, etc. On va vraiment débattre là-dessus dans les commentaires de façon, s'il vous plaît, de façon mature, pas de façon à insulter tout et tout le monde. Donc voilà. Donc les gars, on arrive pratiquement à la fin du gameplay. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Moi les gars, je vais en profiter pour me présenter. Donc moi c'est Daikiri. Je suis graphiste et gamer, donc je suis GFX, VFX. Donc GFX et VFX, enfin graphiste c'est un gros mot, je suis graphiste amateur, c'est-à-dire que je fais des assez bonnes créations. Donc si tu veux venir passer vous faire un tour sur ma chaîne, n'hésite pas. Donc voilà, donc si t'as envie de me poser des questions à ce sujet-là, je suis toujours disponible. Je suis aussi joueur perf Black Ops 1. Donc joueur perf c'est un gros mot aussi. Donc je fais des bons scores sur Black Ops 1. Je suis beaucoup axé sur les anciens codes. Donc code 4, MW2, etc. Code 5 aussi si vous voulez. Vous pouvez m'ajouter si vous voulez jouer avec moi sur les anciens codes. Par contre les nouveaux je les aime pas trop. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. J'ai aussi envie de rajouter un petit truc, c'est que je remercie les personnes qui étaient avec moi.
Donc il y avait Mani4, il y avait deux autres de ses abonnés, donc Lucas et excuse-moi pour Manning, je crois il s'appelait comme ça. Désolé si j'ai écorché ton prénom, mais bon. Donc voilà, donc le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Vous allez voir les gars qu'on a quand même gagné la partie. Je crois qu'on va perdre la partie vu qu'à un moment ils vont nous triple cap. Donc voilà. Donc j'espère que ce gameplay vous aura plu les gars. Écoutez, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Daikiri. Ciao tout le monde.